le partenariat qui a été signé, qui vient d'être signé aujourd'hui entre le groupe CDG et le groupe The Moment s'inscrit parfaitement dans le cadre des nouvelles orientations stratégiques de notre groupe qui ont été adoptées depuis 2017 et qui sont en ligne avec les grands enjeux économiques du Royaume, dont essentiellement l'enjeu qui concerne à accélérer et améliorer la croissance économique de notre pays pour créer plus de valeur ajoutée, plus d'emplois, qui est en fait l'objectif final recherché. Et pour traduire dans les faits cette nouvelle stratégie, ce nouveau positionnement, nous avons procédé à la création de la branche CDG Invest, qui est une société 100% CDG, et qui a pour mission de canaliser toutes les capacités d'investissement du groupe dans l'entreprise marocaine et dans le tissu productif national. Et donc l'objectif, c'est d'accompagner des entreprises qui offrent un potentiel intéressant en matière de croissance et qui opèrent dans des secteurs stratégiques, que ce soit des secteurs orientés export ou des secteurs orientés import. Et à cet effet, nous avons mis en place un fonds d'investissement baptisé Fonds des métiers mondiaux du Maroc et qui est doté d'une enveloppe initiale de 1,5 milliard de dirhams qui peut évoluer en fonction des besoins et destiné à investir dans ces entreprises-là qui opèrent surtout dans des écosystèmes, des entreprises qui sont dans l'écosystème des secteurs productifs orientés export. L'objectif, c'est d'accompagner ces entreprises pour renforcer leur assise financière et pour permettre de s'épanouir, d'améliorer leur business, mais en même temps d'améliorer le niveau d'intégration locale de ces écosystèmes, ce qui va certainement se traduire par l'amélioration de la valeur ajoutée qui sera créée localement et également l'augmentation du nombre d'emplois qui seront créés. Et puis l'objectif aussi recherché, c'est de renforcer et d'accompagner, d'encourager le capital marocain à intégrer cet écosystème. C'est très important dans une logique de mondialisation pour stabiliser les emplois et anticiper surtout les éventuelles délocalisations à l'avenir. Et également, en matière d'accompagnement, nous visons, au-delà de l'accompagnement financier, de mettre à la disposition des entreprises nationales notre expérience, notre expertise, pour les accompagner dans l'amélioration de la gouvernance, de la gestion, mais également de se positionner dans de nouveaux marchés.